Bonjour jeuxvideo.com. On est aujourd'hui sur un GL preview de Mafia 3, toujours édité par Touquet Games, développé par Hangar 13. Ça sort le 7 octobre 2016 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Ça a pris un très bon dans les aperçus de notre cher 87. Salut tout le monde. On a fait deux GL, c'est le deuxième. Et là, on va parler de quoi exactement? On va parler en fait de la deuxième partie de ma session de jeu qui m'a emmené au milieu du jeu pour me faire voir un petit peu les différentes activités que propose cet open world. D'accord. Donc là, en l'occurrence, je vais aller dans le quartier français qui est spécialisé dans le trafic, dans la prostitution, ouais. Tout simplement. Et est-ce que je... Toujours cette image. Voilà. Ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est comme je l'avais déjà dit dans le précédent GL, si vous l'avez vu, c'est que en fait, le but, c'est, vous voyez, il y a dommages restants. Le truc, c'est d'infliger un maximum de dégâts sur l'ensemble du trafic de prostitution. Donc là, en l'occurrence, ça peut être libérer des filles qui sont séquestrées. Mafia est un jeu violent, hein, je tiens à le dire. Il assume la violence de son propos et la violence de son époque, c'est plutôt très très bien. Ça renforce la crédibilité. Donc voilà, libérer des filles qui sont séquestrées, détruire des magasins pornographiques, tout ça, dans quel but? De faire sortir en gros le petit chef local, mm-hmm. qui lui se dit « Oh là là, c'est le bordel chez moi, il faut que je prenne des mesures pour sévir. » Et à toi ensuite d'aller lui faire la peau, si le cœur t'en dit, afin de prendre le contrôle du district. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Mafia 3 est bel et bien un open world, mais c'est pas vraiment un open world au sens où on l'entend, c'est-à-dire ne vous attendez pas à ce que ce soit un bac à sable, un mode GTA. C'est-à-dire que Lincoln, il va pas partir à la pêche, il va pas aller faire du karting. Tout ce qu'il fait, en fait, ce sont les objectifs que tu as vu tout à l'heure sur la carte. C'est-à-dire, mm-hmm. tout ce que tu vas faire, ça servira ton dessin, tu vois, ta quête de vengeance et essayer de prendre le contrôle de la ville de New Bordeaux. Donc là, tu vois, ça fait partie des objectifs. Tu peux interroger certains Macs pour récolter des informations qui te permettront d'avancer, de progresser dans ta quête. D'accord. Deux solutions, approche furtive ou approche brutale. En l'occurrence, je vais la jouer furtif. Donc en fait, tu vas voir que Lincoln, je ne sais pas si on l'avait déjà vu ça d'ailleurs, a une sorte de vision d'aigle, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu peux voir en gros à travers les murs, mais attention, ce ne sont que les personnages que tu as vus une première fois, ouais. que tu pourras détecter. C'est-à-dire que si tu arrives sans avoir vu personne, en fait, il va pas forcément te les détourer en rouge. Hein. D'accord, mais ça rompt pas le côté réaliste de... Non, je croyais en fait, et finalement, enfin, c'est quelque chose, il faut l'accepter. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, c'est ce mec-là que je dois interroger. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est y aller tout simplement. Donc tu vois, je me déplace, sachant que la gestion des couverts est parfois un peu imprécise. Et en fait, pour l'interroger, il faut que tu sois un petit peu bourrin. Et donc voilà. Donc là, c'est parti. Tu lui poses des questions, il va te filer quelques infos. Donc là, tu vois, j'ai un petit bug d'IA. Hein, notamment, ouais. Ou de pathfinding en l'occurrence, donc ça je pense que ce sont des choses qui vont être réglées. Mm-hmm. Et je peux choisir, une fois qu'il m'a filé l'info, de le tuer pour avoir directement du fric, ou alors de l'épargner, afin de quoi, d'avoir en fait un mec qui bosse pour moi, ouais. En plus dans le district, une fois que j'aurai fini ma petite tambouille. Donc ouais. là, autant passer sur du gunfight, et je dois dire que la partie gunfight est un peu plus intéressante que la partie infiltration, parce qu'il y a une grosse patate en fait dans les armes, tout simplement, donc tu peux faire bien sûr du corps à corps, tu peux faire un petit peu tout ce que... Le couvert réagit bien. Ouais, en termes de... Donc pendant les gunfights, c'est bon, mais ça, tu vois, c'est toujours un petit peu en tir tendu, dans la mesure ouais. où là, tu vois, t'as un mec qui peut appeler des renforts. Lincoln est très fragile. C'est-à-dire que seulement quelques balles peuvent venir à bout de ce mec. J'étais en mode normal, hein, je pouvais choisir ma difficulté. Ouais. En gros, t'attends pas à être Rambo, hein, en dépit de la veste. Ouais, tu n'encaisseras pas que tu as mis pour l'occasion, tout à fait. Ne t'attends pas à pouvoir encaisser 90 balles avant de mourir. Là, en gros, c'est si tu restes vraiment sous le feu nourri de tes ennemis, tu vas mourir et tu n'auras que quelques chutes d'adrénaline. Tu vois, ouais. c'est en bas à gauche, là, j'en ai plus, qui te permettront de te soigner. Donc, oui, ça, c'est, plutôt cool, en fait. C'est un jeu d'action, mais c'est pas Uncharted, quoi. C'est, non, non, c'est, non, tout à fait. Voilà. On n'est pas en train de. On crève. On tu crève, voilà, c'est dur. On sent la masse de tout. Et la difficulté de ce qui vit, c'est ça. Mais tout à fait. Et si tu veux, c'est ça qui fait, je trouve, un petit peu cet intérêt, c'est que malgré tout, tu vois, t'as du réalisme. Alors oui, il y a des petites entorses, notamment avec cette espèce de vision à travers mm-hmm. les murs. Et donc ça te montre un petit peu. Là, tu vois, j'ai fini ça. Comme tu regardes, j'ai réussi à faire à peu près $1000 de dégâts.
Et ce que je peux faire aussi pour me faciliter la tâche, c'est demander de l'aide de mes lieutenants. Donc là, tu vois, par exemple, je peux appeler un trafiquant d'armes qui m'appellera des munitions. Je peux me faire livrer un véhicule. Je peux me faire sauvegarder mon argent, etc. Donc ça, ce sont des choses que tu débloques au fur et à mesure, en fait. Ouais. Tout simplement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu gagnes un district, tu peux l'affecter à l'un de tes trois lieutenants. Et donc ça te débloque des capacités spéciales. Là tu vois par exemple j'ai demandé je sais plus ce que j'avais demandé sur cet extrait. Autant pour moi je crois que j'avais demandé à ce qu'on me livre des hommes de main tout simplement qui vont venir m'aider. Donc tu vois les mecs arrivent. Soit c'est moyennant finance, soit c'est parce qu'ils te doivent une faveur. Et donc les mecs vont t'aider à tuer notamment une des têtes pensantes des macros en fait. Ah ouais, donc, mais ils y vont directement. Ah oui, par contre là la furtivité est terminée. Donc ce qui est que vu qu'ils y vont en mode bourrin, je me suis dit tira aussi. Donc il y a une grosse patate sur les arbres. Donc là je vais à la grenade. Ouais. Alors est-ce que tu penses qu'il a été pensé pour être en mode bourrin ou en mode Oui, on n'est pas sur du Deus Ex en gros, ou c'est plus pensé à infiltration. Non, l'infiltration ça reste un choix qui est pas désagréable parce que c'est sympa, tu vois, de jouer un petit peu, d'y aller à pas de loup. Ouais. Après ça reste. Mais ça donne rien de plus. En tout cas, tu l'as pas vu. Non, en tout cas, je l'ai pas vu. Ça donne quelque chose de plus. On verra bien. Après, je te cache pas que j'aime bien parfois infiltrer. Je t'avais dit. Alors là, ça va être du skill à l'état pur, mon bon spider. Donc il y a un petit peu de rejet automatique. Mais non, globalement, moi, j'ai beaucoup apprécié en fait les scènes de shoot. Hein. Ouais. Le côté TPS, il est classique mais efficace en fait. Ouais. Pour moi, Mafia 3 sera pas un jeu à gameplay, sera un jeu à histoire. Ouais. Donc reste à savoir, tu vois, si. Les objectifs qu'on mène, eh ben, ça sera pas un petit peu redondant, quoi, tu vois. Ah ouais, mais c'est toujours la même question dans les jeux. C'est que là, en fait, si tu veux, on a du. Là, il fallait que je bute un mec, mais ça, j'avais déjà fait ailleurs. Donc là, ça me permet aussi de vous montrer que lors des fuites, forcément, tu as une course de police. C'est assez classique aussi dans son gameplay. Regarde, tu vois, en bas à droite sur ta map, tu as le cercle de recherche. Mm-hmm. Donc, bien évidemment, c'est en gros le champ de recherche de la police. Et. En gros, quand tu sors de ce cercle, la police ne t'arrête pas de te chercher immédiatement. En fait. Ouais. Ils se disent, chercher dans le voisinage immédiat, il faudrait que t'attendes. Bah, c'était pareil avec GTA, le faisait comme ça aussi, GTA 5. Le 5, c'était, il restait sur la même zone. T'as une zone de recherche, tu vois leur zone de recherche, par contre elle bouge et il faut que tu te cales dans des endroits pour qu'ils ne voient pas. Là, en fait, si tu veux, elle va moins bouger. Là, si tu veux, là, je suis à peu près tranquille. Et donc voilà, donc c'est ce qui conclut notre deuxième GL en fait. Ouais. Donc voilà, très convaincu par la partie narration, un peu moins par la partie vraiment open world. J'espère qu'en fait, quand j'aurai le contexte aussi de l'open world, je m'y amuserai autant que. Alors, on ne sait pas en plus, parce qu'il y aura certainement des petits jeux, certainement des. Je ne crois on sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra. D'accord. Ouais. 7 octobre donc, ça donne envie, je crois. Moi en tout cas, ça m'a donné envie. Mmh. Et puis ce contexte, c'est toi qui m'as parlé un petit peu en off, oui, Mathieu. De l'histoire, ça a l'air vraiment chouette. Ouais, ça a l'air vraiment chouette et j'ai très envie de voir ça. En attendant, tu vas donc essayer de trouver un nouveau mot. Un nouveau mot. Parce que le dernier c'était immersion. Sur donc voilà. L'open world. Classique. Classique. Ouais, classique. Clafia. Ça fait Clafia. Clafia, ouais. Donc un monde classique dans le milieu mafieux. On vous fait des petits bisous. On vous dit à la prochaine. Ciao.